tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bullet journal. Donc pour le mois de mai, donc je vais vous montrer, mon organisation par rapport au mois dernier n'a pas trop changé, hein, mais je vous montre comment j'ai décoré. Donc là, ma feuille de compte toute simple, hein, on va pas chipoter. Ensuite on a la feuille du mois, donc du coup avec le petit calendrier, les anniversaires. Là j'ai racheté des petits stickers, ça vient de chez Action, c'est des petits stickers dans ces petits blocs là. Franchement, qui sont top. Là, on a du coup le mois comme le mois dernier. Et les notes et ce que j'ai à faire derrière. Voilà. Ici, on a donc le menu pour le mois de mai. Hop. Et après, on a mes semaines. Donc, du coup, qui sont toujours faits comme ceci. Donc, ma semaine, ce que j'ai à faire 100 jours bien précis. Et l'évolution de bébé. De bébé à naître, voilà. Donc tout ce qui a été fait, c'est avec les différentes blocs de stickers. Donc il y en avait, je sais plus, alors, attendez, hop, il y en avait 4. Donc voilà, j'ai utilisé les 4 là pour faire mes mois qui vont venir. Hein. Les autres seront pareils. Je voulais pas trop de chichi pour les mois à venir parce que j'ai pas trop, enfin. J'avais pas envie de me prendre la tête, juste des petits stickers comme ça pour décorer. Et du coup, voilà, donc j'ai fait avec les différentes plaquettes. Après, c'est toujours la même chose, sauf que j'ai décoré différemment d'une semaine sur l'autre. Voilà, et donc là, on arrive déjà au mois de juin. Donc voilà, donc j'ai fait très simple pour ce mois-ci. Voilà, des petits stickers, comme quoi faut pas être une pro en dessin pour mettre un peu de gaieté dans un bullet. Voilà, je rajouterai peut-être d'autres petits stickers au fur et à mesure. Pardon, j'ai mon chat qui vient de se mettre là. Donc voilà, et pour les mois prochains, ce sera la même organisation, je vous montrerai ça. Et il y a peut-être un peu plus de stickers sur les mois à venir. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt.